Et au cœur de cette braderie 2012, on vous en a parlé. Cette année, les services de sécurité étaient renforcés avec près de 2000 policiers et gendarmes mobilisés et notamment quelques brigades à cheval cette année. La police montée était présente en effet pour cette édition afin d'assurer une prévention plus efficace et toujours plus de sécurité pour les bradeux. Toujours impressionnante évidemment et plus sympathique tout de même que les cars blindés. Ces brigades montées assurent avant tout un service de renseignement et de surveillance grâce à leur hauteur sur leur monture. Plusieurs brigades venues de France et de Belgique même était présente à Lille ce week-end. Une collaboration exceptionnelle pour les besoins de la sécurité de près de 2 millions de personnes. Écoutez les explications de cet agent de police monté sur son cheval hier, place de la République, au micro de Jimmy Hutchon. Là, on a nos amis de la police belge qui est venue avec nous. On a déjà fait des services, on a fait le Touquet avec eux pour l'enduro moto. C'est qu'ils ont partagé avec nous le service d'ordre, ça a été très bien. Et j'espère qu'on va continuer, puis que nous aussi, on ira chez eux aussi pour avoir un complément entre les deux unités. C'est très bien, ça se complète, ça permet d'avoir au moins des comment on intervient, puis au niveau même du matériel et caisse qui est des fois différent. Et au moins, c'est vrai qu'on a des bons points à savoir comment les uns et les autres réagissent ensemble.